Salut tout le monde, Kelly pour les pros de la poutre. En vacances en Gaspésie, on est à New Richmond et on va goûter à la poutine de le panier à frites. La cantine, elle est ouverte depuis 2005. Alors, notre place, là, vraiment, en région, elle est vraiment établie. Les gens, ils nous connaissent, ils aiment ça. Notre particularité aussi, c'est qu'on garde la pelure sur les patates. Donc, ça fait une bonne frite croustillante. Quand quelqu'un nous mange une petite frite, on la sert vraiment avec le petit cure-dent en bois dessus, tu sais, comme les casse-croûtes dans le temps. Puis en plus, on a deux sortes de sauces, la sauce barbecue et la sauce hot chicken. Fait que les gens de la région, ils aiment beaucoup la barbecue, elle est vraiment connue. Les gens d'extérieur, ils prennent pas trop de risques, ils vont avec la sauce traditionnelle hot chicken. Mais c'est vraiment, là, la poutine, c'est vraiment un très bon coup de cœur ici. Salut tout le monde, on a nos poutines. Moi, j'ai pris une poutine sauce brune, ou comme ils l'appellent dans le coin, la sauce hot chicken. Et Rose, ici, a pris la sauce barbecue. Donc ça, c'est le petit format. Ça, c'est le moyen format. Assez parlé, on goûte. Hein? Ah, ça a de l'air bon. Oui. Ah, c'est bon. C'est très bon. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Dans le contenant styromousse, on a une pomme de terre blanche. Donc, croustillant comme texture. Le fromage, c'est le fromage le petit gaspésien. Et la sauce brune, comme j'ai dit tantôt, c'est une sauce hot chicken. Toi, Rose, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est vraiment bon. La sauce barbecue est vraiment bonne. Elle est pas trop... Il y en a qui vont être trop épicées, mais elle est juste assez. Hey, je veux goûter à ta sauce barbecue. Moi, je suis plus sauce brune, là, mais là, je suis curieux. Moi aussi. OK, ouais. C'est excellent. Donc voilà. Puis aussi, ce que je viens de remarquer sur les pommes de terre, je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est une frite qui est coupée, là, style pub, donc avec un peu de peau dessus. Pour ceux qui pensent à New York Fries, ça donne une bonne idée du type de pommes de terre qu'on peut avoir là. Sinon, sur le menu, ils ont toutes sortes de produits locaux. Il y a des fruits de mer. Ils ont aussi un bar laitier. On va y retourner tantôt pour goûter à leurs produits. Mais pour l'instant, nous, ben, on continue nos vacances en Gaspésie. On profite du beau temps, puis on profite de la poutine. Donc, tout le monde, merci de nous suivre, puis à la prochaine.